Yo les mecs, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Je sais, ça fait longtemps, excusez-moi pour le retard. Aujourd'hui, on va tout arracher. Regardez ce que j'ai pris. Une petite clé pour enlever cette petite chicane. Donc voilà, vous l'aurez bien compris. Aujourd'hui, on va essayer de tout arracher sans la chicane. Donc attention, si vous avez des écouteurs, tout ça, enlevez-les. Parce que là, à mon avis, ça va bien ronfler comme il faut. Allez, on enlève ça. Oh, elle est chaude. J'ai déjà fait un petit bout de route là. Allez, on enlève. On voit le gros trou. Ça va ronfler à mort. On va mettre ça dans le sac. Hop. La clé avec. Donc sans chicane, vous l'avez entendu dans la première vidéo où c'est qu'on monte la ligne. J'avais roulé un peu avec, mais j'ai jamais roulé avec la GoPro et sans chicane. Donc on va voir aujourd'hui ce que ça donne. J'espère qu'elle va pas saturer. Les gars, accrochez-vous. Oui, il y a une sacrée grosse différence. Hein. Le sans chicane et avec chicane, ça n'a rien à voir. Pas dans les tours. Là je suis en 5e, on est à 45.
bien. Comment il est dur à garder en main par rapport à un LTR ou même le Banshee, ça n'a rien à voir. Bon les mecs, l'hiver il arrive hein. Comme vous savez, l'hiver c'est la boue, toute l'équipe. Et là on va passer des bonnes sessions avec des bonnes vidéos. Ça va être cool. Avec la chicane, là on va le prendre sans chicane. Je saurais quoi faire parce que des vidéos avec un bon bruit c'est 10 fois mieux. Allez, on va remettre cette machine. Bon, on va essayer de pas se brûler. Hop. En plus esthétiquement c'est 10 fois mieux sans chicken, ça fait un énorme trou, on dirait un bazooka. Allez, et voilà. On retourne dans le légal. Ah, c'est silencieux. Là, on croirait un tracteur tondeuse. Ah, ça fait un beau bruit quand même. Mais voilà, sans chicane, c'est le top du top. Mais bon, après, ça fait trop de bordel. Et voilà, on peut pas traîner. Tu vas traverser un village sans chicane, tu vas te faire chasser quoi. Allez.